Alors les actions sur l'environnement, ben on a développé les toilettes sèches qui étaient encore quelque chose de très nouveau il y a quelques années. Maintenant ça s'est généralisé. On fait un tri extrêmement développé et global sur le site. Donc on essaie de faire en sorte que tout le monde participe en fait au nettoyage, que ce soit pas seulement une petite équipe, mais que ce soit l'ensemble des intervenants et aussi les festivaliers qui participent. Alors la journée d'aujourd'hui était très intéressante déjà pour rencontrer d'autres festivaliers, enfin d'autres organisateurs de festivals et de voir les pratiques qui se font. Tout le monde a des bonnes idées et là aujourd'hui c'était vraiment très très intéressant. Ça permet d'échanger, d'avoir des contacts. Du coup, on va pouvoir nous aussi améliorer notre festival en tenant compte de ce qui se fait et inversement, on va pouvoir apporter nous aussi notre expérience aux autres. Donc c'est vraiment un moment d'échange qui est très très intéressant pour nous. Là, c'est la deuxième fois que je viens et j'apprécie énormément. Ce que je regrette un tout petit peu, c'est que les élus ne sont pas restés jusqu'à la fin, justement, pour écouter les expériences de chacun d'entre nous, puisque c'est à ce moment-là, je trouve, qu'il y avait les choses les plus intéressantes qui sont apparues. C'est à ce moment-là qu'eux auraient pu entendre justement ce qui se fait à droite, à gauche, et se dire, tiens, là, il y a quelque chose, il y a un travail à faire, ça, on va récupérer, on peut généraliser, et pouvoir nous soutenir dans toutes nos démarches, quoi.